Bonsoir tout le monde, bienvenue sous TAC 509, tout haïtien connecté. Depuis le fait lundi pour arriver vendredi, c'est moment émission mon éditorial pour rentrer la caillou. Ensemble, nous prenons brasser l'idée pour aider à comprendre plus bien grand débat qu'a fait sous actualité socio-juridique et politique, j'en ça toujours fait. Déjà, m'a invité à mettre toute attention, clarté d'esprit et bon sens dans chaque approche qui pral fait là parce que li important pour nous comprendre ça yon moun di avant même que nous commenter. Sinon, commenter nous yo c'est purement et simplement du ridicule. Déjà merci pour attention, des micro présentation, c'est toujours même YANICK lan, même voix. Non, émission mon éditorial aujourd'hui, nous pral questionner ensemble, faire comprendre niveau implication différents organismes défense droit moun, nan faire respecter droit et liberté chaque citoyen, mais gen l'autre tout en cou RNDDH avec directeur exécutif li Pierre Espérance qui souvent ramené organisation dans cadre politique. Comme yon zam politique qui en pile fois paralysé ou sinon empêche la police ak la justice fait travail sous le couvert de sa note karele la protection des droits humains. Déjà, ce que vous c'est que toute organisation droit moun yo, c'est des institutions préalablement neutres. Des institutions apolitiques qui ont des objectifs précis, tant qu'on défend droit civil, droit politique, économique, sociaux. Et culturel chaque individu j'en sa annoncé dans déclaration universelle droit de l'homme nan. Pi loin constitution 1987 lan bay chaque haïtien droit pour yo groupe yo en association pour défendre droit ak intérêt yo. Jodi an nou ka wè quantité organisation droit moun ki gen nan peyi an ki pa vraiment entre guillemets répond ak yon intérêt collectif vu que en pile nan yo blié propre mission yo ki c'est la défense des droits fondamentaux de l'homme. Nous avons différentes organisations de protection et de défense des droits humains. Parmi eux, nous avons POHDH avec Antonal Mortimer. Nous avons SOFA, nous avons FAMIOLA et LATRIER. Mais je dis, j'ai choisi d'accentuer plus sur RNDDH avec directeur exécutif Pierre Espérance, qui se figure emblématique organisation, mais qui constamment oublie engagement, qui constamment oublie la mission RNDDH, vu mal vu implication des scandales présumés de tentatives d'assassinat qui impliquaient. Qui impliquait Pierre Espérance avec et barbecue contre Marie-Hélène Gilles, scandale de corruption avec BNPAT. Donc c'est ensemble de situations, c'est ensemble de faits qui montrait que par une preuve de moralité en dans RNDDH. RNDDH va être pour mission faire promotion et défendre droit moun. Jusque là ça va. Mais qu'on y a, est-ce que droit yon moun résumé à faire politique? Non. Est-ce que droit yon moun résumé à sécurité? Non plus. Parce que dans tout début émission, on se rappelle une quantité de droits, déclaration universelle des droits de l'homme, préciser que yon moun ka gen. Mais pour autant, RNDDH, quelque part, a cherché à détourner vraie mission, organisation, dans un cadre politique, dans un cadre de propagande déstabilisatrice. Maintenant, venons au fait. La grande majorité des décideurs nous ont oublié faire preuve de moralité. Par exemple, si on prend en compte scandale 1,5 million de goudes, qui te arrivé divisé Pierre Espérance avec Marie-Hélène Gilles dans tête RNDDH, n'a déjà comprendre man qui gagne dans valeur morale dirigeant nous yo. Vu que son administration privée la BMPAD absoudoua et Pierre Espérance, à quelle fin nous pas connaît, mais ça déjà mette en cause prise de position dirigeant ça yo. Dans le premier temps, ça crivait, Pierre Espérance n'y existe chèque là. Dans l'autre temps, qu'on y a vin accepter, mais tout le profiter de tourner attention de la société civile là, sous vraie raison l'agent ça. Qui était malgré tout yon zak corruption parce que administratrice RNDDH a préféré marron au lieu de répondre à l'invitation USCC qui t'a enquêté sur éventuelle subvention BMPAD de bay RNDDH. Et c'est même Pierre Espérance ça tout que barbecue a vili comme quoi, li te voye liquider, te voye tuer ancien secrétaire RNDDH Marie-Hélène Gilles. Donc tout ça pour me prouver que en pile nan moun sa yo k'ap propose yo gon bonne intention pour Haïti, yo gon bonne intention pour défendre droit moun, yo plus campé youn sou charité l'autre, youn sou faire propagande sou l'autre, youn sou faire polémique ak l'autre, on façon pour capter attention toute population et profiter faire l'argent bas en bas. C'est ça lié, c'est comme ça moun yo a faire l'argent sous tête population. C'est comme ça moun yo a pas abuser bonté peuple là. Vous voulez comprendre ça m'bral dit là. Li paraît clair, li paraît simple. Mais extrêmement
compliqué. Est-ce que nous connaissons pile fois prise de position RNDDH qui c'est organisme de protection et de défense des droits de l'homme en Haïti de manière nationale qu'on en pile fois paralysé ou bien empêché la police fait travail pour le kwape bandi? Est-ce que comme ça? À plusieurs reprises, PNH a fait des interventions pour le mener dans le quartier populaire, dans le quartier qui est réputé quartier de non-droit pour marrer bandi. C'est même Pierre Espérance qui prend radio pour scandaliser l'intervention. À quel fin? Est-ce que c'est dans l'intérêt population civile qui vit dans le ghetto vrai? Ou bien, il y a un aspect de déstabilisation dans le travail gouvernement a mené? Par exemple, nous avons considéré l'opération la police te gen pour mener dans le village de Dieu. C'est vrai que l'ancien ministre de justice, Luc Mandelil, te bay population civile nan 72 ans, donc 3 jours pour yon déloger, pour yon quitter la zone. Pierre Espérance courit prend radio pour dénoncer l'initiative. Là. Pour moi, c'était à la fois une bonne et une mauvaise chose. Premièrement, li ton bonne chose parce qu'il fallait recadrer l'ancien ministre parce que l'État doit tout le monde protection. L'autre dit au monde village de Dieu, s'il pas quitté Kaili dans 3 jours ou pas responsable la ville. C'est d'où dit la ville finit alors que moun sa qui pas de gen moyen, comment il pral faire quitter Kaili pour côté il pral vivre après? Qui côté il pral vivre? Monsieur que si moun sa te gen moyen, il pas choisir dans ghetto, il pas choisir vivre dans fief bandi yo. Parce que ville pas en sécurité, bien il pas en sécurité, en il pas en sécurité, il livre à lui-même. Pierre Espérance connaît ça plus bien passé. Gen un pile moun ki nan ghetto yo tout ki autant complice gang armé que gang armé à lui-même. Parce que c'est pas tout civil qui civil vraiment. Même sous la contrainte, ou rete complice. Donc, m'rete quoi que l'on veut ou non, faut que la police garantit sécurité tout le monde. Deuxièmement, c'est une mauvaise chose parce que comportement ça yo ki ça yo vinn faire, yo vinn renforcer qui est tu, yo vinn renforcer situation de confort chef gang ça yo parce que yo connaît depuis réseau droit moun yo parler, y a mette PNH à fret. Eh bien faut me dire nous ça policier ou pas robot de ce fait. Opération la police yo pa jam fait sans victime. Li pa jam fait sans dommages collatéraux. Plus PNH a évité ça, c'est plus li nan intérêt population civile là. Mais pas prétendre protéger un groupe moun qui pour la plupart nan yo c'est des complices, cap caché bandi, cap serré zame, cap nourri bandi, cap coupé à bandi, côté moralité a. Côté sens du devoir là est là. Moi m'en vi konnen m vle comprendre. Côté devoir d'entraide collectif là, est-ce que c'est pour bandi ou l'applicable ou bien pas applicable pour population civile là? Gen l'autre aspect tout qui est autant important, c'est question loyauté moun yo gen dans quartier populaire yo. Ça li important pour nous comprendre. Loyauté au moun ka vive dans ghetto, li plus aller vers un bandi armé que un policier et ceci pour plusieurs raisons. C'est vrai gen une contrainte psychologique qui fait. Mais tout étant donné qu'on cohabitation de longue date, yo fini par habituer. Parce que moun yo fait quoi que nan ghetto yo bandi yo plus utile que la police, que l'état te ka utile yo. Et nous konn wè ça dans différentes manifestations qui konn gen. Le la police mette à vide recherche des chien méchant. Moun kwa des bouquet prend la rue après les bayo chien méchant, vive chien méchant, chien méchant pas et chien méchant pas méchant. Chien méchant pas méchant, c'est ça moun yo fait. Y après les vivizo vivement non. Somme gen pression et seul Anel Joseph moun yo pas très mérité parce que le la police arrêté Anel, m pa tande moun ki prend la rue a fait manifestation pour réclamer libération Anel. Moun yo fait quoi que le gen guerre entre gang, c'est moun sa yo, c'est chef de gang sa yo qui campe pour protéger yo et tout yo contribuer nan faire de soi-disant œuvre sociale dans zone yo au risque de dépouiller l'autre malheureux. C'est la triste réalité. Mais moun ka vive nan ghetto yo, moun ka vive nan quartier populaire yo, pa konn ça. Le chef de gang nan vini, la bayo diri, la bayo pou la bayo on saksiman, la bayo on ticola, son gros bagay li fait pour yo. Yo a toujours gen envie protéger loyauté yo jam te dou la tourner vers chef de gang ça au lieu que l'état lieu... Et même un policier qui vivent dans ghetto ça yo supposé loyal envers chef de gang ça yo, sinon c'est au risque péril. Policier ça qui pas loyal, qui pas fait travail chef de gang ça, yo a touyel. Donc moun yo vin non seulement gon contrainte psychologique, mais le temps tout font travail en sorte que moun yo fini par habituer, yo laisse aller, yo perdu sens du devoir, yo perdu moralité yo, et puis ça passe. Mes amis,
En tant que organisme de défense droit moun, c'est sûr que question sécurité hein, ta doit interpeller NDDH ou bien n'importe l'autre organisme de défense et de protection des droits de l'homme nan même niveau ak acculturation musicale. Parce que nous est moun yo, nous est groupe yo, groupe musical yo, nous est artiste yo, yo presque perdu identité culturelle haïtienne. Question dépravation sociale, question proxénétisme, viol, vol, toute question qui gen pour avec infraction, qui gen pour avec code pénal, ta supposé interpeller RNDDH, ta supposé interpeller l'autre réseau droit moun yo. Mais non, yo plus rete nan tak o tak avec gouvernement, yo oublié tout implication secteur privé hein, nan créer bon conditions travail pour salarié yo, nan contribuer nan environnement sain. C'est autant de choses qui gen rapport protection droit moun, c'est pas seulement veiller nan intérêt politique, c'est pas seulement veiller nan question élection, c'est pas seulement veiller nan question sécurité, que le culturel, que l'économique, que le social, tout ça gen pour voir avec protection droit moun. Moi personnellement pense que Pierre Espérance ka fè mieux nan tête RNDDH. Au lieu que le chita nan paralyser intervention la police, gen l'autre domaine d'intervention que RNDDH ka intervenu toujours nan question protection droit moun. Parce que là question protéger la vie moun nan pas seulement concerné village de Dieu. Li pas seulement concerné Tibois, Grand Ravine, Solino, Belè, Bicentenaire, Martissa, c'est une question d'intérêt général. C'est la vie tout le monde gang ça remet en danger. Mais leur comportement c'est appuyer toute opération de démantèlement gang ça pendant ou pas sûr que l'état respecte la protéger droit fondamental tout le monde. C'est pas une question d'extrême droite ou bien de violation constante des droits de l'homme parce que jodi a résultat yo là, yo plus que concret. Le n'ap gade gros am, mais kounye a monsieur gen lans roket, chef gang izo a présenté lans roket yo, l'ap défié la police, l'ap défié autorité yo, l'ap met vi moun en danger. Li pa normal. M'pa bezwen konn si ni opposition, ni gouvernement, ni secteur privé nan connivance avec gang sa yo, là c'est une question de sécurité collective. Parce que le PNH décide, le rejoigne pour yo agir, yo doit faire. Parce que absorber plus vie innocent que gang ça au cas d'étu dans futur proche. Lors la gagne en voler l'argent mon cap saute la banque ou tuer yo ou kidnapper yo voler marchandise moun. Dim ki sa fait pour payer en de bon. Dim ki sa fait pour une population qui a prédit travail du dans misère dans état moins pays ça là et pour dépouiller yo et puis ou gagne en voix qui protéger. C'est vrai. La vie tout moun kote. Mais question à PCE répond jodi an, est-ce que la vie un civil innocent pargue plus à l'heure que la vie un chef de gang kap assassiné, volé, violé, kidnappé yon population désormais, yon population qui livre à lui-même des malheureux malheureuses kap bat de l'eau pour faire bé? Est-ce que la vie moun sa yo pa konté plus parce gang armé sa yo? C'est vrai que gang sa yo c'est l'état qui fait yo. C'est vrai c'est autorité politique qui forme yo, qui crée yo, qui influence jeunes yo, qui ba yo zam. Mais est-ce que yo pas gen choix pour yo prendre bon décision, pour yo renoncer avec vie bandi ça? Yo te gen choix. Jeune garçon qui choisit pas porter zam nan. Son choix le fait, li choisi renoncer avec vie bandi hein, li choisi menon en vie en toute moralité malgré toute misère, malgré toute souffrance qui ka endure. Malgré le pas ka manger, malgré la prend déception, malgré le pas gen soin santé, malgré le pas gen éducation, li choisi renoncer ak vie an. Gan pile jeune ki reme facilité trop. Nou reme kite courant aller avec nous, courant pote nous. Nous trop facile pour nous corrompre. Et résultat, vie nou a fini mal. Vie nou a fini mal, soit nou al nan prison, soit ou tue nous. C'est comme ça vie nou a fini. Alors que Pierre Espérance si même toujours a obstiné pour dénoncer toute intervention d'envergure la police pral fait dans quartier de nos doyo, c'est lui même encore qui a critiqué mauvaise gestion gouvernement a fait de problème insécurité a que c'est en façade pour autorité l'état yo prend pour bafouer peuple hein? Que c'est ta bonne volonté tout pour baisser niveau insécurité a ça ne servira à rien tant que réellement chef de gang ça yo toujours gain accès pour rejoindre nouveaux armes munitions ak plus puissance de feu que la police, pap jam vraiment gen bon travail kap mené.
faut que nous questionner participation quelque autorité, faut que nous questionner participation quelque gros chabrak dans secteur privé a, quelque membre dans diaspora yo qui toujours prend plaisir à prendre zam dans pays a. Faut que nous questionner participation tout moun sa yo parce que là yo rend yo aussi complice que chef de gang sa yo que bandi armé sa yo. Nan point nou rive la, Haïti pa ka reconstruit seulement à partir d'idéologie. Nous besoin des actions, nous besoin l'état ak des autorités à la fois expérimentées, compétentes, douées de raison, de moralité. C'est vrai nous sommes peuple qui résistant, mais là nous commençons à bouquer vivre par anticipation. Alors que moun ki ta sensé là pour protéger droit nous, pour protéger intérêt nous yo, yo aussi responsable dans dégradation insécurité. L'état tout qui c'est premier garant vie ak bien moun manque ak devoir. Li pas possible pour présumer chef de gang nan collaborer avec la police. La police son institution étatique. Et nous wè ça à plusieurs reprises. Gen implication présumé barbecue nan massacre la Saline, gen implication présumé nan nettoyer Bel Air. Et c'est même barbecue ça tout qui t'a livré au bed nan poste de police pour implication nan assassinat Evelyne Césaire alors que li gen avis de recherche nan men son citoyen qui tant recherché par la police. Là, faut que nous conscient. Gè trop légèreté dans question respecter la loi, gè trop légèreté dans question respecter vie moun. On est pas dit rien dans pays. Jodi a la li inadmissible pour la police a dit li gen contrôle village de Dieu alors que en bas j'ai tout moun, chef gang a défié DGPNH, Léon Charles et bandi, chef Izo, chef Mano, yo défié là. Y a défié mission institution qui s'est protégé et servir, y a boulé chablindé, y a fait show off avec zam, mais kounya ou gen la roquette. Est-ce que nous avons qui danger qui pendje sous tête pays hein? Nous avons avancé de plus en plus vers le terrorisme. Et kounya là, nous commençons à prendre dans ça qui est le terrorisme là. Li tout à fait juste pour tout réseau droit moun yo campé pour dénoncer avec société civile la coalition gang armé G9 famille alliée. Si n'a pas essayé de faire un vrai bilan pour village de Dieu, pour Belle, pour Grand Ravine, qui résulte à l'opération la police a porté? Est-ce que l'insécurité a baissé? Pas de kidnapping encore? Est-ce que bandit pas sous moun toujours? Mais c'est dommage parce que tout le monde a résultat flagrant, concret devant yeux tout le monde. Pas gagné vraiment qui avance, pas quoi avance considérable vrai. Chaque jour nous tendez la police a présenté nouveaux bandits, chaque jour nous tendez la police a travaillé la marée moun, c'est à quel fin? Là nous gagnons l'état défaillant. Li peu probable pour institution répondre à vraie mission yo. À cause avarice en pile dirigeant comme quoi depou nan l'état depou ka parler faut kou sou se mamel bef la Jean sa te di nan introduction émission tout organisme défense ak protection droit moun yo dwe neutre yo dwe impartial yo dwe apolitique dirigeant sa yo dwe faire preuve de moralité ou pa ka nan impliqué nan corruption pa ka nan impliqué nan tentative assassinat ou pa mag ou pa ka nan tout sens. Gyon bagay pour nous retenir c'est que vulnérabilité autorité institution ça c'est force l'état. Comment doit un citoyen pral respecter si défenseur yo nan connivence pour acheter silencio? Tant qu'on Antonal Mortimer nan tête PHDH, li tellement t'a pas merdé administration Jovenel là chaque jour, yo nan fait manifestation pour défendre droit moun. Yo nan fait manifestation avec moun nan factory. Yo nan fait manifestation avec moun pour éducation. Eh bien, mais je dis à madame lycée président CEP, est-ce qu'on t'a dit encore? Non. Eh bien, gen tout jan manje man kamè. C'est pas comportement déloyal ça au peuple a mérité. C'est sûr que droit fondamental pas respecté, c'est sûr que l'état manqué avec engagement li, mais tout c'est irresponsabilité chaque acteur yo, que l'étatique que le non étatique qui produit dégénérescence crise sociale ça, crise politique que peuple haïtien vit journée aujourd'hui. On pas espérer la changer ni demain ni dans 10 ans vu manque d'éducation grande majorité peuple là.
tenu de arrogance yo, de esprit troublé yo, de esprit de partisanerie yo, ça qui a toujours la cause quand bataille quand sans que yo pas vraiment konn pou ki ça. Parce que ki ça qui rive jodi a la, gran pile moun ki choisi un camp sans pas vraiment konn pou ki raison, yo pas un objectif précis, yo pas gen vision avec moun yo choisi, yo pas une vision que moun nan ofri yo qui valable, haïtien émotionnel trop. D'autant nous pas prendre leçon de mauvaises habitudes yo, de irresponsabilité, de comportement dégradant, déloyal, yo nous pas jam font pas et n'a saisi ouais pays qui était dans même situation avec nous, qui était dans même position avec nous, y a quitté nous derrière parce que nous même qui ça nous fait, nous préférer faire un yeux sous maligne et puis n'a gratter calan. Li pas possible, li pas jam possible. Si c'est comme ça nous voulons réagir pour nous sauver pays, pour nous avancer, n'a pas avancé, oui, n'a pas avancé au fond du précipice et le ça la pi mal la extrêmement grave non seulement pour chaque grain haïtien, la grave pour pays. Déjà ma première ancienne pour toute attention ça nous porter avec, ça fait mon pile plaisir. M'a rappelé ou sous tank 609 tout haïtien connecté. Restez connecté avec nous pour cette programmation. Toujours songez partager vidéo, commenter, liker. Pas hésiter faire part de toute question nous t'aimer même débattre ensemble avec nous, c'est avec en pile plaisir, en pile l'amour. M'a fait ça. Rendez-vous à casser pour demain dans même le à m'attend tout le monde rester connecté.